Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vlogger un peu, même si clairement je vais pas faire grand chose. Je voulais juste vous parler de ce que j'ai fait un peu hier et du coup de ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des photos pour des nouveaux produits. Oula, comment je vous dis, hein, c'est n'importe quoi. Pour des nouveaux produits, pour ma boutique, tout simplement. Je les ai également mis du coup sur ma boutique. Du coup je pense que je vous mettrai le lien de ma boutique en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc bien évidemment sur la boutique j'ai mis que j'étais absente. Du coup quand vous allez sur ma boutique vous allez voir un petit bandeau avec marqué que le vendeur est absent jusqu'au 7 juin. J'ai mis jusqu'au 7 juin parce que comme je sais pas jusqu'à quand le confinement va durer, j'ai dit jusqu'au 7 juin. Et donc vous pouvez recommander à partir du 8 juin. Voilà. Comme ça au moins c'est clair. Et comme ça si vous mettez un produit même par erreur dans votre panier, ça vous met erreur et ça vous met un petit message en dessous qui vous dit que le vendeur est absent et que vous ne pouvez pas commander ce produit. Voilà. Bref. Donc j'ai fait mes photos, elles sont grave cool, je les ai prises du coup à l'endroit où je vous ai montré la dernière fois. Donc vraiment ça rend super bien. J'ai pris aussi des photos des nouveaux produits que je vais amener bientôt sur la boutique. Que ça franchement j'ai grave hâte parce que le premier que j'ai fait, j'étais super contente. Et là j'en ai fait d'autres donc je suis encore plus contente. Donc ça je vous montrerai bientôt. Même si je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui me disent c'est pas toi qui l'ai fait, c'est pas possible, patati, patata, et patati, patata. Moi je sais ce que je fais, je sais que c'est moi qui fais, donc bref. Mais je vous montrerai bientôt, parce que j'ai grave hâte, ça va être trop bien. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, donc du coup j'ai mis en ligne les produits sur la boutique avec les prix, une petite description, etc. etc. Voilà, donc voilà, j'ai réfléchi aussi à d'autres produits. Il y a des trucs que j'aimerais bien mettre sur la boutique. C'est des faux ongles. Mais vous savez les faux ongles genre ça s'appelle les press on. C'est des ongles en fait que vous avez. C'est juste des capsules que vous venez ensuite coller. Et j'ai trop envie de faire ça. De faire une sorte de petit lot pour ça. Mais je sais pas si ça plairait ou pas, sachant que ça sera pas super cher non plus. Hein, on va pas déconner non plus. Mais voilà, j'avais envie de faire ça, donc je sais pas. Et donc j'ai également enregistré la vidéo. Ça j'en ai pas parlé d'ailleurs en vlog, j'en ai parlé sur Snap. Du coup je vais en parler maintenant de suite. En fait, à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est lundi 13 avril je crois. On est lundi, je suis pas sûre de la date, comme d'habitude. Hein. Et en fait, je veux commencer un challenge de 2 semaines pour avoir le ventre un petit peu plus plat. Je vous montre pas mon ventre maintenant parce que de toute façon, vous allez voir dans la vidéo. Et c'est un challenge que je suis tombée dessus complètement par hasard samedi soir, je crois, ou vendredi soir, je sais plus. Il était minuit et demi, 1h du matin, je traînais sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo comme ça, challenge, pour avoir des abdos et tout, j'étais en mode quoi ? J'ai regardé, j'ai vu les résultats, j'étais en mode gros choc. Je me suis dit c'est pas possible, j'en ai regardé une deuxième. Je me suis dit c'est toujours pas possible, c'est un fake, c'est pas possible. Que ça marche en 2 semaines, franchement j'étais là en mode c'est pas possible. Ma frange c'est n'importe quoi, pardon. Et je me suis enfin décidée à aller voir la fameuse vidéo de la dame, enfin de la nana qui en fait a lancé ce challenge, qui s'appelle Chloé Ting. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Hein. Sa vidéo a plus de 40... elle était à 42 millions de vues. Maintenant, elle est peut-être à 44 millions de vues. Hein, parce que franchement, voilà. Ça devient viral à la limite, ce truc. Et une fois que j'ai vu les exercices, je me suis dit, franchement, c'est pas compliqué. Par contre, même elle est en chie, alors qu'elle est... skinny comme ça, donc je me dis moi je vais clairement mourir, je crois que je viens de signer mon arrêt de mort, clairement c'est ça, mais bon bref. Et ensuite après avoir vu cette vidéo, j'ai regardé d'autres vidéos résultats et j'arrête pas d'en regarder et à chaque fois c'est toujours pareil, c'est des résultats plutôt encourageants. Et moi en fait il faut savoir que j'ai envie de perdre du ventre, des cuisses, c'est le ventre c'est vraiment mon plus, c'est pas un complexe en soi mais un peu quand même, mais enfin j'arrive à vivre, ça fait quand même plusieurs années déjà que je vis avec ce ventre et bon bah j'arrive quand même à sortir, à me mettre en maillot de bain, tout ça machin, ça me déplaît pas tant que ça, mais c'est vrai que bon j'ai acheté des jeans l'année dernière qui sont grave beaux, que
Franchement, j'adore les couleurs et tout. Et je n'arrive plus à les attacher parce que j'ai trop de ventre. Et même en rentrant mon ventre, je ne peux plus respirer après. Sinon, ils éclatent. Et donc, mon objectif, c'est de pouvoir à nouveau les re-rentrer, re-rentrer dedans. Et voilà. Donc, du coup, je vais tester ça. Du coup, vous aurez une vidéo résultat, donc avant, après, etc., etc. Donc, je vais commencer cet après-midi. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est 10 minutes par jour. Donc, j'ai grave hâte. Bref, du coup, je pense que je vais vous laisser maintenant. Et je vous reprendrai, je pense, cet après-midi. Parce qu'il faut que je filme, du coup, l'intro de la vidéo. Voilà, donc, je vous reprends après, je pense, cet après-midi. Bye. J'ai oublié de vous dire, mais avec ma mère, on fait des masques. Bon, je vous retrouve, il est assez tard, il est 5h30 à peu près. Comme vous l'avez vu dans les clips précédents, je fais des masques avec ma mère. Du moins, on essaye. Donc voilà, ma mère m'en a déjà fait deux. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas le droit de sortir et je ne sors pas. Mais voilà comment ils sont. Voilà, donc bon, il est déplié, on l'a à une main, ça va être compliqué, mais voilà. Donc on en fait ensemble. Et puis voilà, on aide un peu comme on peut. Donc j'ai fait ma première séance de sport aujourd'hui. C'est seulement 10 minutes, mais clairement j'en ai bien chié ma race. En même temps, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de sport. Et encore, je pensais que j'en ai en chié encore plus. Donc j'étais plutôt contente. Et je voulais également du coup vous montrer ma boutique, comment elle est maintenant, avec les nouveaux produits que j'ai mis hier. J'aime trop parce que du coup il y a beaucoup plus de produits et vous montrer du coup le bandeau aussi qu'il y a, etc. Donc ouais, je vais vous montrer. Donc du coup voilà, donc ça c'est ma boutique. Donc c'est sur un grand marché. Donc un grand marché c'est quoi? C'est la même chose à peu près qu'Etsy, sauf que c'est français. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est voilà, ça c'est ma boutique. Donc vous avez le lien ici. Hop. Voilà, je pense que je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc ça c'est à peu près ce que j'ai sur les cartes de visite. Voilà, donc après le fameux bandeau avec la petite description. Et ensuite du coup les produits, donc je fais exprès de les prendre, prendre les photos comme ça. Parce que j'ai trouvé trop jolies ces photos. Je vais peut-être faire ces deux photos parce qu'elles sont pas tout à fait pareilles. Et j'aime pas trop. Donc voilà, je vous montre vite fait. Là, j'ai pas marqué, il me semble pas que j'ai marqué la justification du prix. Enfin, le justificatif, non. J'ai pas mis le justificatif de prix, mais en gros, voilà. Le prix, il est assez cher parce que du coup, il y a 50 centimes récoltés et reversés à une association pour les personnes autistes. Donc c'est pour ça que ça coûte 2,90€. Donc voilà. Après je trouve que c'est quand même abordable pour le travail qui est fourni, parce que bon, c'est pas... Donc voilà. Voilà pour l'instant ce qu'il y a. Donc il y a pareil un porte-clés. Pièce de puzzle, donc là c'est la même chose. C'est parce que du coup... Alors je les trouve, franchement je les trouve trop jolie. Et du coup c'est la même chose, sauf que là j'ai même pas mis du coup. C'est nickel. J'ai même pas mis, mais il faut que je mette justification du prix. Comme j'avais mis pour le gloss. Pour le gloss, j'ai mis une petite... voilà. Justification du prix. Voilà.
Donc de toute façon je vous laisserai aller voir. Donc il y a quelques petites créations. Et j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Franchement j'adore. Je trouve trop joli ce porte-clés. Il est trop mignon. J'adore. Franchement il est trop joli. Et donc voilà, petit porte-clés, blablabla. Voilà. Donc voilà pour ma boutique. Mais je voulais vous montrer parce que je ne l'ai pas forcément montré. Donc voilà, hein, tout est sécurisé. Hein, paiement sécurisé. Voilà, des vendeurs qualifiés à votre écoute. Nanana. Donc tout est bien fait. Et du coup, ça je l'avais déjà montré dans un... où j'en avais juste parlé. Mais en fait, y a la FAQ est super bien faite. Donc il y a les questions des acheteurs. Et les questions des vendeurs. Donc ça c'est vraiment cool. Donc pour le moment je crois pas qu'il y ait une application mobile sauf s'ils ont changé. Voilà. Ils sont en train de faire, du moins ils y pensent, mais c'est pas pour le moment. Et donc voilà, pour ceux que ça intéresse, du coup, donc c'est un grand marché. Donc ça s'écrit comme ça, voilà, tout simplement. Et voilà, de toute façon je vous mettrai le lien de ma boutique en barre d'infos. Et du coup, ben, n'hésitez pas à aller voir faire un petit tour. Mais pour l'instant, du coup, ben, je peux pas. Par contre. Putain, mes voisins ils claquent toujours les portes en ce moment, c'est abusé. Mais si jamais il y a des choses qui vous intéressent, je sais que j'ai mis pas mal des nouveaux produits à l'unité, c'est-à-dire en pièces uniques, alors que c'est pas le cas. Enfin, pour ceux-là, en fait, c'est le cas, mais pour ceux-là, j'en ai d'autres. Voilà, et pareil aussi pour le nœud, je l'ai mis en pièces uniques, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter soit sur YouTube, soit sur Instagram ou même Facebook. Pour me dire que vous voulez que je vous mette de côté le produit et comme ça je vous le mettrai à côté, enfin de côté, et je le remettrai du coup en vente et je vous préviendrai quand vous pourrez commander. Du coup voilà. Donc voilà, du coup c'est à peu près tout. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que voilà, je suis contente, je suis fière de moi, je trouve ça trop joli et j'ai plein de nouveaux trucs qui vont arriver, même si bon. Clairement pour l'instant ben, j'attends que le reste arrive. Donc voilà. Mais bientôt vous aurez plein d'autres produits. Donc ça j'ai grave hâte de pouvoir tout faire, de pouvoir tout mettre à plat mes idées en fait. Donc voilà. Franchement grave hâte et grave hâte de tout vous présenter et tout. Aujourd'hui il fait pas très beau, il fait un peu frais. Il a plu cette nuit, genre vraiment beaucoup. Du coup voilà, bah c'est plutôt cool, au moins je fais mon petit sport tranquille. Et donc pareil, je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo pour les abdos là en barre d'infos également. Donc c'est une vidéo en anglais, mais même si vous comprenez pas tout, parce que je suis pas bilingue non plus, hein, y a des fois je comprends pas trop ce qu'elle dit, mais de toute façon elle le fait en même temps, donc vous voyez ce qu'elle fait, vous voyez comment elle le fait. Et franchement la vidéo est vraiment très bien faite en plus, parce que vous avez le chronomètre et en bas ici de ce côté là ici vous avez ce qu'il va y avoir après etc, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, par contre si vous avez un tapis de yoga, l'utilisez même pas, parce que moi je l'ai utilisé, il glissait, du coup j'avais encore plus de mal, donc c'était pas cool, bref. Mais du coup je suis contente parce que je pensais vraiment que j'allais en chier beaucoup plus et c'était plutôt pas mal. Donc j'ai pris toutes les mesures de mon corps on va dire, du moins les parties que je veux réduire un peu et voir, parce que je me suis dit c'est pas possible, ça va pas faire travailler que les abdos, ça va faire travailler les bras et les cuisses. Donc comme c'est un peu mon objectif de réduire tout ça, je me dis c'est plutôt cool. Et de toute façon donc la vidéo va être faite et puis voilà. Donc franchement j'ai grave hâte de vous montrer le résultat, de voir le résultat moi-même. En tout cas je sens plus mes bras, mes jambes j'ai du mal et les abdos ça commence à chauffer. Mais c'est un mal pour un bien comme on dit. Et comme on dit aussi, il faut souffrir pour être belle. Donc voilà, j'ai déjà pris les photos d'avant. Franchement je suis pas très heureuse de devoir montrer un corps que j'apprécie pas. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté? C'est pas possible! Ils sont en train de tout démonter chez eux, je crois. Bon, bref. Mais bon, bah, tant pis, c'est pour la vidéo, hein, c'est pas grave. Mais vraiment, j'ai trop hâte. Et je pense, du moins j'espère. Mais après, je me dis, même si ça marche, mais que j'ai pas le résultat que je veux, je vais quand même continuer, genre au moins une semaine et demie de plus. Et ensuite, de toute façon, tous les mois après, je me prends au moins 2 semaines pour le refaire. Parce que ça peut me faire que du bien. Et comme on risque d'être confiné pendant très longtemps,
Ils sont sérieusement en train de tout casser à côté, je crois. D'après ce que j'ai compris, on risque d'être confiné jusqu'à fin juillet ou jusqu'en juillet apparemment. Donc bon, on verra bien. Mais bon, du coup, voilà. Et je pense que du coup, ça va être cool, quoi. Je vais pouvoir me remettre en forme un petit peu. Parce que là, en plus, les joues, là, j'en peux plus. Mais bon, voilà. Du coup, je regarde plein de recettes aussi, vachement healthy. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, bref. Du coup, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense qu'il va durer suffisamment longtemps comme ça. J'aime pas les vlogs trop longs. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire le montage et puis je le posterai je sais pas quand. Parce que je vais pas non plus vloguer tous les jours ou me forcer entre guillemets à vloguer des vlogs confinement. Donc je pense que j'en posterai un ou deux par semaine, mais pas plus. Parce que je m'étais dit je vais poster tous les deux jours. Mais au final, si j'ai rien à faire, si je parlais pour rien, c'est pas intéressant. Donc du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais poster deux fois par semaine, pas plus. Donc ça sera le mardi et le vendredi, je pense. Ou le mardi et le samedi, je sais pas encore. Bref, du coup, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. À me laisser un commentaire aussi pour me dire comment vous occupez vos journées. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez envie de tester vous aussi le challenge. Comme ça peut être cool de voir également votre évolution. Si, voilà, si vous avez... une meilleure évolution que moi ou quoi, mais du coup voilà. Et puis si vous avez envie de vous abonner également, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit. Et puis je vous réserve des concours, plein de concours quand on sera sorti du confinement, parce que j'avais plein de trucs à vous faire gagner. Bon, forcément je ne peux pas le faire, donc c'est pas grave, tant pis, hein, ça sera pour après. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié des prochaines vidéos que je vais poster. Je me suis foutu l'ongle dans l'œil, ça fait mal. Bref, du coup cette fois je vous laisse vraiment, je pense que le vlog il doit faire pas loin d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes, donc je vais arrêter de blablater et je vous dis au prochain vlog, puisque je pense que ça sera un vlog, ou alors à une vidéo, ce sera peut-être une vidéo all action parce que j'en ai retrouvé plein. Sérieux, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon bref. Allez, je vous fais des bisous, bye.